Alan, viens ici, fainéant. Je t'attends. Surprise! Alice, qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai un aveu à te faire. Je pensais que tu pourrais écrire ici, que le changement de décor t'aiderait à... Bon sang, Alice! Toi, tout le monde n'arrête pas de... Hé, s'il te plaît, écoute. J'ai lu le livre du docteur Hartmann, un médecin d'ici. Il possède une clinique et sa spécialité, c'est d'aider les artistes. Ah, tu veux me faire interner, c'est ça? J'ai bien compris! Non, c'est pas du tout ça! C'est pas... Alan? Alan! Oh, arrête, tu veux? Arrête ça, Alice! J'en reviens pas! Et merde! Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir. J'avais besoin d'être un peu seul pour faire le point. Le chalet fut plongé dans le noir. Plus de lumière. Alan! Alan! Où es-tu? Alan! Alice, j'arrive! Ça va aller! J'arrive! Non! Alan! C'est pas vrai. Au secours! Alan! Non! 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 J'ai l'impression d'avoir quitté un cauchemar pour un autre. Je ne me rappelais pas comment j'étais arrivé là. Je savais juste qu'il était arrivé quelque chose d'affreux à Alice. Mon téléphone était HS. J'allais devoir chercher de l'aide à pied. Dans les affaires d'Alice se trouvait un livre, The Creator's Dilemma, écrit par le docteur Emil Hartmann. Le livre me remémora ma dispute avec Alice, ça ne m'avait pas plu, et le visage satisfait de cet homme en couverture ne me plaisait pas non plus. Station-service était ma meilleure chance. J'utiliserai leur téléphone, mais j'avais un bon bout de chemin à faire dans la forêt pour l'atteindre. Merde.
Y a quelqu'un ? Les feuilles de papier étaient les pages d'un manuscrit intitulé Departure. C'était le titre que j'avais prévu de donner au roman que je n'avais jamais commencé. L'auteur, c'était moi. Mais je ne l'avais pas écrit. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Dans la scène, le héros était attaqué par un tueur armé d'une hache la nuit dans les bois. Departure par Alan Wake. L'homme se tourna vers moi. Son visage était couvert d'ombre et j'avais du mal à le distinguer dans les ténèbres de la forêt qui nous encerclait. Mais je distinguais bien la hache qu'il brandissait. Elle luisait du sang de sa victime. Il sourit comme un dingue. Les ombres étaient vivantes, tordant ses traits. C'était une scène de cauchemar, mais j'étais bien réveillé. Des lumières de proximité me redonnèrent espoir. Je n'aurais peut-être pas à descendre jusqu'à la station-service pour téléphoner.
Y a quelqu'un ici? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident! Hé! Hé, vous! Il y a eu un accident! J'ai besoin d'aide! Écoutez, il faut que... Charlotte Standing a loué à Blood Force! Oh merde! Carl Stucky! Ravi de vous connaître! Un acompte! Non remboursable est exigé à la réservation. Pas d'arnaque. Pas d'arnaque. Absolument que je réagisse. D'un instant à l'autre, Stucky serait derrière la porte en brandissant sa hache, comme Nicholson dans Shining. Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu, hormis sur un stand de tir. Et je venais de tuer quelqu'un, ou quelque chose. Aucun cadavre. Ils avaient juste disparu. Si je rêvais, ça semblait assez réel pour me rendre malade. Ma lampe torche révéla une inscription sinistre peinte à la main. On avait caché un coffre de matériel à côté. Je n'avais aucune envie de m'enfoncer dans la forêt, mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais atteindre la station-service.
Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid. La rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. Stucky était encore là, dans le noir, à me guetter. L'escalier était inutilisable. Il fallait que je trouve un autre moyen de monter. Pas d'électricité. Il y avait forcément un générateur sur une exploitation forestière. Il devait bien y avoir quelque chose qui m'aiderait à monter.
Je les entendis avant de les voir, crevant les yeux. Le possédé se tenait devant moi. Impossible de le regarder en face, comme si j'étais en partie aveuglé par une tumeur ou une maladie oculaire. Des ombres s'échappaient de lui comme de l'encre dans l'eau, un nuage de sang après une morsure de requin. J'étais terrifié. Je serrai la lampe torche de toutes mes forces, avec l'espoir fou qu'elle l'empêcherait d'approcher. Soudain, quelque chose céda et la lumière se fit plus vive. Je les entendis avant de les voir, crevant les cieux à toute allure dans un grincement. Je me retournai alors que le nuage fonçait sur moi. Un instant, je contemplai une centaine d'yeux morts, des perles noires étincelant dans les ténèbres. Je levai la lampe torche et l'essaim explosa comme des feux d'artifice. Les plumes brûlèrent et se changèrent en cendres. Mon cri se perdit parmi les leurs. Au début, je trouvais les pages comme par accident. Ce livre était soit une prophétie terrible et réelle, soit un acte créatif qui avait réécrit le monde. Je me mis à chasser les pages fiévreusement, car elles détenaient la clé du mystère. Grâce à elles, je sauverais ma peau. Grâce à elles, je sauverais Alice. Rose savait qu'elle en rajoutait, mais après...